Voilà, donc je suis le père Antoine de Rouet, communier des motards du Morbihan, responsable du sanctuaire de Port-Carreau, l'oratoire de la Madone des motards, ici avec Léopold Bernard, que je vais laisser se présenter. Bien, moi je me présente, Léopold. Je suis ici comme accueillant motard et gens de passage, bien sûr. À l'occasion, on discute de la Madone, parce que c'est quand même le sujet de discussion ici. C'est la Madone, le pourquoi c'est arrivé ici à Port-Carreau, comment c'est né, et puis ensuite, donc, les motards qui le désirent, on prend, comme vous avez pu le voir, on peut prendre un café, prendre un pot, mais autrement tout le reste se tourne, c'est notre aumônier qui gère le tout. Voilà. Voilà, alors l'aumônerie des motards, ça, c'est une histoire qui a donc 39 ans maintenant, puisque ça a commencé le 15 août 1978, avec simplement 32 motards qui sont venus ici à l'invitation de l'abbé Prévoto, qui était le recteur de Port-Carreau à cette époque-là. Et puis d'année en année, ça a grandi tout doucement, et dans les années 90, ça a pris un envol extraordinaire, avec jusqu'à, dit-on, 20 000 participants le 15 août de l'an 2000. Et on se stabilise maintenant à plus ou moins 13 000, je pense, 13 000 motards, ce qui est déjà énorme. Voilà, une grande fête où les motards viennent ici surtout pour se confier à la Madone, prier aussi pour leurs frères motards qui sont défunts. Il y a beaucoup de plaques, vous l'avez vu, dans l'oratoire, qui rappellent ces frères qui sont des gens qui appartiennent au monde de la moto, qui sont décédés parfois d'accidents, parfois de maladies, parfois de vieillesse, enfin voilà, toutes les causes de décès qui sont possibles, mais qui ont un réel lien avec la moto. Et le monde des motards est un monde qui est très solidaire. Voilà. Et ça, c'est le premier point de parallèle avec la vie chrétienne. Le commandement de la charité, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, fait qu'en tant que chrétien, je reconnais toujours dans l'autre mon frère, fils du même père qui est Dieu. Et là, le motard reconnaît toujours dans l'autre un frère, si bien que je vais m'arrêter pour saluer le motard, s'il y en a un qui est en panne, même s'il n'a pas le même genre de moto que moi, même si moi je suis sur une sportive et lui sur une Harley, un custom, etc. Je m'arrête parce que je le reconnais comme mon frère. Ça, c'est un des premiers points importants de la Madone. C'est même très très important, monsieur. On se figure qu'il y a des catégories. Entre motards, il y a le sportif, il y a les customs, et il y en a d'autres. Non, c'est pas ça. La solidarité, motard, c'est... Tu es sur la route, tu as un problème, je m'arrête, je te demande ce que tu veux. Si je peux te dépanner, et voilà. Et surtout une chose, le grand signe des motards, que lorsque l'on se croise, c'est... c'est le gré, voilà. Et ça, c'est le signe des moteurs, c'est le signe de solidarité entre moteurs. Et qui dure depuis des années et des années. Et ça a toujours été. Et ça durera toujours. Et en plus, qui nous, avec la protection de la Vierge, c'est sûr que ça va toujours continuer. Ici, les motards sont toujours chez eux. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire et à réaffirmer. Le motard est chez lui, ici, à Port-Carreau. C'est pour ça que l'année dernière, quand il y a eu une annulation un peu intempestive de la part de la préfecture et de la mairie, ici, au dernier moment, on a un peu réagi en encourageant, non pas en encourageant les motards à venir, mais en leur disant que de toute façon, ils étaient ici chez eux et qu'on n'irait pas les jeter, nous, au titre de l'aumônerie. Moi, j'ai été nommé par l'évêque de Vannes pour maintenir cette aumônerie des motards et rendre un service chrétien, un service de prêtre, hein, aux motards. Qu'est-ce qu'il est, ce service? Évidemment, c'est un accompagnement dans la vie religieuse, comme on peut l'avoir envers diverses personnes. Il y a des accompagnements, il y a des baptêmes d'enfants de motards qui sont à Port-Carreau, il y a des mariages de motards qui se font à Port-Carreau, il y a ces accompagnements dans les peines aussi vis-à-vis du deuil. Mais il y a aussi un service chrétien, c'est-à-dire que le service chrétien, c'est celui d'aider mon frère motard à
jouer sa passion, à piloter sa moto avec passion, avec joie, mais avec prudence, parce que ça, c'est une vertu chrétienne. Et donc, au titre de l'aumônerie, je m'occupe pas simplement de donner des bénédictions, d'accueillir et de célébrer la messe, je m'occupe aussi de développer, ça va se faire en lien surtout avec le team de la Madone des Motards, qui est une association de laquelle je suis président, mais qui regroupe un certain nombre de motards, d'offrir une formation de pilotage sur route, sur piste, des pèlerinages, des balades aux motards pour pouvoir vivre leur passion dans une perspective chrétienne qui va spécifier un peu les choses pour justement allier les deux. Si bien que on met notre foi, on met la spécificité de ce lieu, on met le lien avec la Madone des motards au service de nos frères motards, pas seulement pour partitionner et prendre la foi d'un côté et puis prendre prétexte de la moto pour donner un petit coup de goupillon ou de bénédiction, mais vraiment pour faire un tout, et ça c'est très important, c'est la cohérence de la vie chrétienne qui fait qu'on est une personne entière qui va sur les chemins de Dieu. De la même manière, le motard, il faut que ce soit quelqu'un d'entier. Je veux dire, si un motard, il est capable d'allumer les gaz, de bien tenir sa trajectoire, mais qu'il ne fait pas attention à ce qu'il y a autour de lui, bah, c'est juste un mort en sursis. C'est-à-dire que c'est terriblement dangereux. On n'a pas de carrosserie, on n'a pas de protection, on a des engins qui sont terriblement puissants, et si je ne maîtrise pas tout, si je ne suis pas intègre dans ma personne de motard, si je ne pilote pas avec tout mon corps, si je n'y mets pas mon cœur et ma pensée, eh ben, je risque probablement d'embrasser un poteau ou un talus. Donc voilà, c'est ça ce qu'on ne veut pas. Et du coup, en prenant cette attitude du vrai motard, on essaie de continuer à accompagner, on fait le pont de nouveau avec la vie chrétienne. Et c'est ça ce qui est très intéressant et ce qui est phénoménal ici, c'est que le motard, même si ce n'est pas forcément un pilier d'église ou une, entre guillemets, une grenouille de bénitier, bah, va se trouver bien là pour vivre sa vie chrétienne au titre de sa passion motarde. Et c'est ça qui est génial. Et c'est une chose qui est formidable. Je me rappelle toujours ce qu'avait dit le père Jean-François Audouin, qui avait dit: la Madone est en permanence avec toi. Par contre, si tu fais l'imbécile, elle descend. Et c'est ça. Il y a toujours cette protection qui est là. On a cet ensemble de nous, motards, d'être, comme le disait le père Antoine, cette fragilité sur la route. Mais lorsqu'il y a le bon sens et que l'on réfléchit, que l'on se dit, on a cette protection, il ne faut pas faire l'imbécile, on reste sur le droit chemin. Je dis sur le droit chemin aussi bien sur la route que sur les bas côtés, on reste sur le droit chemin. Et une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un seul département sur la France qui a eu ce réflexe de faire une très bonne protection pour les motards. C'est: motard, souviens-toi, ta carrosserie, c'est du vent. Nous, notre devise, c'est: souviens-toi, sois prudent. Mais ce qu'avait fait, donc, c'était dans la Vienne, il me semble. C'est dans la Vienne. Ça doit être le seul département en France où ils ont fait quelque chose. Et on aurait pu le prendre aussi pour nous et le mettre ici en grand et à Port-Carreau. Et le mettre sur tous les départements français: motard, sois prudent, ta carrosserie, c'est du vent. Et à partir de ce moment-là, lorsque un motard intelligent, il y en a quand même beaucoup plus que l'on pense, il n'y a pas que des excités de la poignée, même s'il y en a encore quelques-uns là-dedans, il y a cette conscience de dire: on prend la route. Nous, la route, on la partage. Et on va au-devant de ce qu'il peut y avoir, tout en étant prudent. Et si les motards viennent ici à Port-Carreau, justement, c'est pour ça, parce qu'ils viennent rechercher une confiance qui, plus ou moins, ils avaient perdue. Mais en revenant ici à Port-Carreau, ils rechargent leurs accus, ils rechargent la confiance. Et ils repartent beaucoup plus serein. Lorsque l'on vient ici à Port-Carreau, lorsque l'on vient surtout à l'oratoire, on ne ressort pas indemne de ce qu'il peut y avoir. Que l'on soit chrétien, pur, profond, ou que l'on soit athée,
On ne repart pas, madame. Si, depuis 2012, c'est reconnu par le Vatican, excusez-moi, j'en prête peut-être un petit peu sauté, mais depuis 2012, c'est quand même reconnu sanctuaire de la Madone des moteurs, reconnu par le Vatican. Il y a une puissance qui fait que l'on va de l'avant et qui nous protège, et on le sent. Alors, voilà, pour contacter l'aumônier des motards, il y a plusieurs solutions. Soit quand on se présente ici au presbytère, Léopold oriente vers moi, soit je laisse toujours disponible, par exemple sur l'oratoire, ici aussi il me semble à la porte du presbytère, il y a mes coordonnées qui sont dans le livret de la Madone, qui sont assez disponibles sur internet, coordonnées téléphoniques, coordonnées mail, de manière à pouvoir me contacter dès qu'il y a la nécessité. Je pense par exemple quand il y a des groupes de motards qui viennent ici pour demander la bénédiction de leur moto, voilà, on se rend disponible, alors on trouve le créneau horaire qui va bien. Je suis aussi curé de paroisse, j'ai quelques activités en dehors de mes activités du ministère de prêtre, donc il faut savoir coordonner les choses. Ça peut être par exemple quand une famille vient demander la bénédiction et la dépose d'une plaque, voilà, plutôt que de simplement la poser dans l'oratoire comme quelque chose d'un peu... comme on accrocherait un cadre, on prend un temps de recueillement, il y a la bénédiction d'une plaque, il y a vraiment un temps de prière ensemble, et ensuite on partage un café ici, puisqu'on a Léopold qui nous accueille bien. Voilà, le but, c'est de se sentir vraiment pleinement partie prenante de la famille des motards. Voilà, il y a d'autres prêtres motards, hein. Mon prédécesseur, le père Jean-François Audrin, reste toujours plus ou moins dans le coup, et donne volontiers un coup de main. Voilà, il y a toujours possibilité de nous rejoindre par un biais ou par l'autre. Eh bien, je vous remercie tous les deux de nous avoir accueillis. Bon courage. On ressent une grande béatitude ici, une grande paix que je souhaite à tout le monde de ressentir. Merci. Merci de votre accueil. Et puis, bonne bénédiction de la Madone. Merci. Merci.